إنشاء لجنة لتذوق زيت الزيتون البكر إجراء بشرته المصالح الفلاحية لولاية تيزي وزو عبر تنظيم دورة تكوينية بحضور مختصين في المجال بهدف تحسين جودة إنتاج هذا النوع من زيت الزيتون. Pour ce qui concerne la dégustation sensorielle de l'huile d'olive, l'ITMA en collaboration donc avec l'ITAF, le CNIF aussi et tous les acteurs donc DSA, CAO, on a organisé 3 sessions de formation. La première c'est pour la wilaya de Tizi Ouzou. Ensuite, la semaine prochaine c'est pour la wilaya de Bouira et enfin la fin du mois c'est pour la wilaya de Béjaïa. L'objectif de la formation, c'est de former des dégustateurs pour ces 3 wilayas. تذوق زيت الزيتون البكر بكل أصنافه من قبل لجنة مختصة يسمح بتحديد مميزاته واستدراك النقائص لضمان جودته وتحسين المنتوج. Un dégustateur, non seulement il doit savoir les analyses physiques ou chimiques ou bien sensorielles de l'huile d'olive, mais aussi il est censé de savoir l'environnement et la façon de produire l'huile d'olive. Et ceci, nous avons fait un cours sur les bons pratiques de production des huiles d'olive vierges, c'est-à-dire la qualité, elle commence à partir du choix du plant, et ensuite les travaux culturaux, les bons pratiques au niveau du verger, soit la taille, la fertilisation, les traitements phytosanitaires, l'irrigation. Ensuite la récolte qui a un but très important pour la détermination de l'indice de maturité des olives, pour l'extraction des huiles d'olive, pour améliorer la qualité et la production. كميات إنتاج زيت الزيتون بالولاية تختلف من موسم لآخر، فحسب التوقعات ستتراجع كمية الإنتاج إلى 7 ملايين لتر هذا الموسم مقارنة ب 19 مليون لتر سنة 2019.